بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بونسوار. Dans le chapitre Ar-Ra'd-Tonnerre, il y a plusieurs versets qui sont relatifs aux païens et aux polythéistes et aux accords. On va voir certains de ces versets-là comme celui-ci. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد إلههم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واحد صدق الله العظيم. Dieu, pour adoucir cette lourdeur de la mission de Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il lui a dit qu'avant lui, il y a eu des messagers, que la paix de la soit sur eux, qui ont été en lourdeur et sur l'objet de raillerie et de moquerie. Mais, regardons bien ces messagers-là, ils ont vu que leurs ennemis ont eu un fin tragique, un fin terrible, une fin horrifiante. Donc voilà, quand tout ce et Dieu, tellement il est fort, il est absolument puissant, il leur avait accordé un répit pour un laps de temps donné. Mais une fois les sciences est venue, ils ont reçu ce qu'ils ont mis en raillerie. C'est-à-dire, cette fin-là, c'est une fin saisissante et perturbante, cassante, et vraiment, elle est très terrible. Donc toujours Dieu, à chaque mission divine ou à chaque époque, toujours Dieu donne un récit. Il donne un laps de temps pour que les gens peut-être vont chercher à comprendre, chercher une solution, une bonne issue qui leur donne une dignité qui va persister et puis ils auront le salut. Mais généralement, l'humanité elle n'est pas à la hauteur pour comprendre ces lois divines. Voilà, quand on se dit à Birous, on a vu l'histoire, combien de fois il y a eu un athéisme, il y a eu une déviation par rapport aux Juifs et aux Chrétiens. À chaque fois qu'il y a une déviation horrible, Dieu leur répond d'une façon terrible. Voilà, quand on se dit à Birous, on a vu l'histoire, il y a eu comme une image pour les faux musulmans. Et en son état, c'est-à-dire l'époque de décadence, l'époque de noirceur. En son état, c'est-à-dire il n'y a plus de splendeur dans la Oumma islamique, parce que cette Oumma-là, entre guillemets, elle n'est pas Oumma islamique. Parce que Dieu respecte les gens qui se respectent. Mais vu que ces gens-là, surtout en Andalousie, ils ont fait beaucoup de méfaits. Et Dieu, lorsqu'il voit ça, il envoie ses anges, il envoie les éléments, que ce soit naturel ou bien humain, etc. Et vous n'avez qu'à voir l'histoire de cet homme qui, généralement, splendeur au début, puis noirceur, l'obscurantisme à la fin. Et maintenant, on espère qu'on va reprendre le bon chemin pour nous, comment dirais-je,
nous aider à sortir de ce, de cette mauvaise passe, de s'éloigner de la, du Kurumbira, et bien comme ça on peut aider les autres peuples à voir ce qu'on a fait comme réalisation positive, et comme ça peut-être ces peuples-là vont atténuer leur arrogance vis-à-vis de Dieu, et ils peuvent avoir un répit plus ou moins long. Voilà, quand je suis dit à nous, c'est le cap des cas, à même que je dis à Kaboro, comment ça se passe? C'est-à-dire, Dieu nous a dit d'une façon très violente. Parce qu'ils l'ont évité. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un cas, et vous n'avez qu'à voir, étudier les différentes manières de leur femme. Parce que tout le monde là, parce que ce cureur là, parce que Dieu, lorsqu'il envoie cette chose pour Dieu, ça doit être très curieux et doit être inédit. Alors, à même, vous, Kaïmoun, à la colline, c'est-à-dire, vous n'avez pas vu, ce n'est pas tout à fait évident que Dieu, il est toujours au courant de tout, il observe tout. Il peut accueillir des actions pires, et cela à sa faveur, ou bien il va faire le contraire et il s'expose à tous les dons. Avant nous, Kaïmoun à la colline, c'est le dîner que c'est le dîner. Il dit, c'est-à-dire, ceux qui font les bons œuvres auront les fruits de ces actions-là, et les autres auront les conséquences de leur tribunal. Et de leur arrogance et de leur rébellion. Voilà, quand je suis à l'autre, je me capte, je me capte, Allah wa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'ala lillahi shuraka izo comme on dirait parle de l'esprit comme on dirait oblique de Dieu cela ils ont créé d'après eux des associés à Dieu or ça ne peut pas être ça parce que Dieu il n'a pas besoin de n'importe qui pour l'aider dans cette dans son autorité, dans sa directive, ses volontés, etc. Dieu n'a pas besoin de quiconque. Dis-le, on s'amuse, c'est-à-dire, si vous avez ces gens-là, ces associés-là, ces gens-là, donnez. Leur nom, donner leurs attributs, etc. Mais ils ne peuvent rien faire parce que généralement, c'est quelque chose de purement imaginaire, il n'a aucune relation avec la réalité. Et même nous, on a une représentation de la réalité, non pas la réalité. Donc, vous pouvez comprendre que, quelle est la, comment dirais-je, l'intention de cette errance-là, au salam alaykoum.